Ouais, donc plus l'accoudoir, ça fait 47 cm. Non, on va avoir un problème. J'ai le regret et un petit peu de bonheur quand même de vous annoncer qu'on est complet là pour toutes les dates au gymnase. Je cherchais une solution pour essayer de rajouter du monde. Ça va être compliqué quand même parce que j'ai pensé à vous empiler. Si on vous empile, on va vous demander de vous classer par poids. Il y en a qui vont mentir sur leur poids, je sais. Je le sais, et après on va se retrouver avec des situations un peu compliquées, avec des gens qui peuvent pas voir, tout ça. Donc non, on va pas pouvoir faire ça. On met des chaises sur scène, sinon. J'aurais pu vous mettre côte à côte, vous mettre deux par siège, mais le problème, c'est qu'on a une largeur de buste moyenne en France, qui est de 48 cm. Ça risque de pas rentrer. Il y a plus qu'une seule solution, on va diffuser le spectacle en live. On va vous envoyer le spectacle en live sur Facebook. Facebook de Mark Zuckerberg, donc il te permet aussi de prendre tes données. Bon bref, ça on n'en parle pas. Prévenez vos amis. Hein, vous avez peut-être des amis qui se sont pas pris assez tôt pour prendre les places, hein, ce qu'on appelle des procrastinateurs. Faudra prévoir en avance si vous devez vous faire livrer des pizzas. Tu sais comment ça se passe, tu prévois trop tard, le livreur arrive pendant le spectacle, moi je fais pas de pause. Hein. C'est du sans filet, hein. Y a pas de censure, si je bide, c'est en direct. Hein. Potentiellement, il y a 3,9 milliards de personnes qui peuvent regarder ce spectacle. Hein. Potentiellement, si t'as une blague qui bide devant 3,9 milliards de personnes, ça fait un sacré silence dans le monde quand même. Et donc en gros, on répond, bah oui mais... Faut bien que je boive! Vous avez compris? Bah, je vous dis à dimanche alors.